En cette fin du mois d'août, les vacances d'été s'achèvent tristement pour Vincent Gervais. Sans nouvelles de sa fille depuis 5 mois, il a laissé sa chambre en l'état. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai acheté. Je pensais lui offrir dès son retour, dès que je pensais que ça allait être très rapide. Malheureusement, j'ai toujours pas pu lui donner. On voit déjà que le feutre s'est terni depuis le temps. Voici la dernière vidéo de Clémence, filmée par son papa lors des dernières fêtes de Noël. Elle était gâtée, elle a eu plein de cadeaux. Clémence a été enlevée au printemps dernier par sa maman. Une jeune femme franco-polonaise âgée de 38 ans, prénommée Anna. La voici filmée avec la petite fille quelques années plus tôt. Les parents étaient en instance de divorce depuis 4 ans et les relations étaient très conflictuelles. Mais jamais le papa n'aurait imaginé vivre un tel drame. Je suis à bout de nerfs, fatigué, stressé, angoissé. Je dors mal, j'ai une boule au ventre en permanence, très inquiet. Leur histoire avait pourtant commencé de manière très heureuse il y a 13 ans. À l'époque, Anna est venue de Pologne pour étudier le français. Ils se rencontrent par des amis communs, tombent amoureux et se marient. Le couple s'installe à Boulogne, en région parisienne. Ils travaillent tous deux dans l'immobilier, gagnent bien leur vie et s'offrent de nombreux voyages. En mars 2005, naît leur fille Clémence. Mais très rapidement, les relations se dégradent au sein du couple. D'après Vincent, sa femme sombre dans la dépression. Il doit souvent s'occuper seul de sa petite fille. Anna rentrait du travail et allait directement se coucher, se préparait juste à manger pour elle, ne lavait pas Clémence, ne s'occupait pas de lui donner à manger, etc. Donc j'ai dû compenser. Au fil des années, ça ne s'arrange pas. Un jour, la jeune femme fait à son mari une révélation inquiétante. Elle est convaincue d'être possédée par le démon. Premier trimestre 2008, elle a commencé à croire qu'elle était envoûtée. Puis des marabouts faisaient des travaux contre elle et sa fatigue était due au fait qu'elle ait été maraboutée. Vincent doute de la santé mentale de sa femme. Il découvre aussi des lettres adressées à des exorcistes. Je suis en lutte continuelle avec des forces qui me poussent à me détruire. Malheureusement, les attaques sont de plus en plus fortes et incessantes et c'est pourquoi je sollicite et vous prie de bien vouloir continuer encore vos prières. Il encourage Anna à aller voir un psychiatre. Elle refuse. L'ambiance devient exécrable. Il finit par demander le divorce. Clémence va passer d'un parent à l'autre. Vincent déménage. Il laisse l'appartement de Boulogne à sa femme. Mais à chaque fois qu'il s'y rend pour récupérer la petite fille, les échanges se passent très mal. Donc voilà, c'est l'ancien appartement d'Anna. Ce palier, il s'est passé des différentes choses assez tragiques, dont à la Toussaint 2009, où Anna refusait de me donner la petite. J'ai réussi à la récupérer grâce à la police. Et donc Anna m'a menacé, a menacé la police, crise d'hystérie, maintenait avec force Clémence. Ça a duré à peu près 5 heures. Et au final, j'ai récupéré Clémence, mais traumatisée pendant un certain temps, donc je l'ai fait suivre par une pédopsie. Des affirmations corroborées par le rapport de la police, qui souligne l'attitude hystérique de la maman de Clémence. Elle tente de le frapper, le menace verbalement, et fait de même avec les forces de l'ordre. Jusqu'à ce vendredi du mois de mars 2012 où l'histoire bascule. Vincent Gervais doit récupérer Clémence à la sortie de l'école. Elle n'y est pas. Et la directrice lui apprend que cela fait plusieurs jours qu'elle ne l'a pas vue. Anna Kalinowska a fui avec sa fille. Elle a aussi entraîné dans sa cavale sa mère, Alina, venue de Pologne quelques mois plus tôt. Vincent porte plainte pour non-présentation d'enfant. Mais la police mettra 2 mois à démarrer les recherches. Entre-temps, une décision du tribunal aux affaires familiales a privé Anna Kalinowska de tout droit de visite et d'hébergement et lui a supprimé l'autorité parentale. Mais pendant ce temps,
où sont passées la mère, la grand-mère et la petite fille. Elles pourraient être rentrées dans leur famille en Pologne, mais personne ne dit les avoir vues. C'est en Suisse que la police trouve une piste. Les trois fuyardes y ont séjourné le 21 avril dernier. Elles ont laissé une trace en s'abonnant à un service de téléphonie. Mais depuis, elles se sont envolées. Fin août, 5 mois après l'enlèvement, la police n'a pas trouvé d'autres indices et Vincent Gervais est très inquiet pour la vie de sa petite. Il se consacre désormais nuit et jour à la recherche de Clémence. Le papa a plaqué son job, il vit sur ses économies. Ce matin-là, il part en Suisse. Il se dit que Clémence y est peut-être encore depuis avril. Je compte aller voir la police suisse à Fribourg, puisqu'ils ont un petit peu travaillé sur mon dossier. J'aimerais aussi aller à la mairie de Fribourg pour voir s'il y a eu des enregistrements sur des étrangers qui auraient voulu s'inscrire à l'école ou quelque chose comme ça. Je souhaite mettre des tracts un petit peu partout, dans des endroits stratégiques. Ce tract-là que j'ai établi avec la photo de Clémence et un numéro qui permet de joindre si on a des informations. Le papa de Clémence a de bonnes raisons de croire qu'Anna Kalinowska se cache toujours à Fribourg. La ville, francophone, compte plus de 100 couvents. Certains proposent des hébergements temporaires. Son ex-femme, très religieuse, aurait pu y trouver refuge. Première étape, le commissariat. Depuis que le mandat d'arrêt international contre son ex-femme a été lancé, la police suisse est censée travailler avec la France. Vincent va pourtant découvrir que son affaire n'est pas la priorité du responsable local. On a des milliers de choses comme ça, on n'a pas des centaines, on a des milliers. Parce que bon, bien sûr pas pour des enlèvements, mais pour des recherches de véhicules qui ont commis des cambriolages, des trucs comme ça. On reçoit des milliers de choses. Oui, mais là c'est quand même... Oui, là c'est la vie d'un enfant qui est en jeu. Elle est peut-être déjà morte. C'est pas une question qu'on prend ça pas sérieux. Mais pour vous expliquer... Non, mais il pourrait y avoir des priorités. Oui, ou... Ça on fait, ça c'est clair. Si les policiers suisses n'ont pas effectué plus de recherches, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'instructions précises, qui tardent encore à venir de France. Vincent est hors de lui, car en attendant, le temps presse. C'est moi qui fais l'enquête, qui trouve des éléments et qui va les transmettre, et je ne sais même pas s'ils vont être exploités. C'est un enfant, un enfant de la République française, une Française, qui a disparu, qui est en danger de mort, qui est avec des personnes qui n'ont aucun droit sur elle, plus aucune autorité parentale, aucun droit, ni de droit de visite, ni de droit d'hébergement. Et elle, personne ne la recherche, entre guillemets. Puisque personne ne s'est lancé à la recherche de Clémence dans cette ville, Vincent décide d'écumer lui-même les couvents. Ma fille s'appelle Clémence Gervais. Après seulement une dizaine de visites, il tombe déjà sur une piste, à 2 pas du centre-ville. Bonjour ma sœur. Bonjour. Mais oui, bien sûr, elle était là. Elle est venue. C'était quand? Alors a priori c'était fin mars. Pas plus tard. Ah ben ça. Est-ce que le temps passe tellement? Elle est sous l'emprise de marabouts, de voyants, d'exorcistes. Oui, elle avait ça. Oui, j'ai trouvé son comportement bon, bien drôle et une spiritualité tout à fait. Tout à fait particulière. Oui, tout à fait particulière. Et la petite, elle semblait aller bien. Elle était là. Calme, silencieuse, elle ne bougeait pas, elle avait... Elle a sorti, peut-être elle avait un jouet ou... Mais ici, Vincent n'en apprendra pas plus. La sœur n'avait plus de chambre pour héberger les trois fugitives. Elle les a envoyées vers un autre établissement. Elles auraient pu trouver refuge au couvent de Montorge. Mais déception, si elles sont bien passées par ici, elles ne sont restées que 2 nuits. La sœur qui les a reçues a tout de même eu le temps de remarquer que la maman semblait perturbée. Elle était sur le qui, un peu sur le qui-vive, j'avais l'impression. Ouais. Et puis fatiguée. Fatiguée. Oui, et puis dès qu'elle pouvait, elle se disait malade.
Anna Kalinowska, sa mère, et Clémence ont passé 48 heures cloîtrées dans cette chambre. À peine sont-elles sorties le premier soir pour se nourrir. C'est tout simple. J'ai arrivé, j'ai frappé à la porte, et puis la maman est arrivée ici, la petite devant qui pleurait à chaudes larmes. Moi, j'étais dehors, pratiquement. Et puis, j'ai dit, mais vous voulez pas venir manger? Mais c'était... J'ai vu alors que c'était tout tiré. Ah, mais je suis pas bien, etc. Finalement, ils sont arrivés à 7h20, quoi. Je trouve plus les mots, ça me... Je suis de plus en plus désemparée. Je sais pas si elles sont vivantes. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur, pour votre témoignage et votre aide. C'est très gentil de votre part. Et merci de les avoir accueillis, d'avoir accueilli ma fille. La crainte de Vincent, c'est que son ex-femme se suicide avec sa petite fille du fait des troubles psychologiques dont elle souffrirait. Pendant ses 48 heures à Fribourg, il découvrira aussi que la famille en cavale a dormi une nuit dans ce refuge pour SDF. Vincent a épuisé la piste suisse. 6 mois après la disparition, il lui reste une carte à jouer, celle de son ex-belle-famille. Après la Suisse, Anna Kalinowska aurait pu rentrer en Pologne, à Tuliszkow, le village de son enfance, à 200 km de Varsovie. La famille d'Anna vit dans cette région rurale où elle exploite des vergers. Vincent pense que ses frères pourraient l'aider à s'y cacher avec Clémence et sa grand-mère. Il a déjà fait le voyage en juillet, mais il est rentré bredouille. Cette fois-ci, il n'a prévenu personne, en espérant les prendre par surprise. Vincent commence par ce bâtiment agricole délabré qui appartient à l'un des 3 frères d'Anna. C'est en très mauvais état. Elle pourrait vivre dans un endroit comme ça ? Non, c'est pas son style, mais depuis que j'ai appris qu'elle avait été dans un asile de nuit pour sans-abri, je me dis qu'elle est capable de vivre dans des coins plus rudes que je ne l'aurais imaginé. Aucune trace de vie. Alors Vincent se rend au centre du village, dans la maison principale que se partagent 2 frères avec l'arrière-grand-mère. Un traducteur l'accompagne. Personne ne répond. Vincent entend du bruit. Il entre. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour. Je suis Vincent. Donc, dis-lui que je viens pour savoir si elle a des nouvelles. Vincent a rencontré la vieille dame 2 ou 3 fois depuis la naissance de Clémence. Non, je n'ai aucune nouvelle. Elle n'a pas du tout téléphoné ? Non, je ne sais rien et tout ça me met dans un état de nerfs pas possible. Qu'est-ce qu'elle pense, où elle pense qu'elles sont ? Non, je ne sais rien du tout. Ça fait très longtemps que je n'ai plus aucune nouvelle. Derrière eux, un frère d'Anna vient interrompre la conversation. Vincent en profite pour le questionner. Je me demande lui si lui, il a eu des nouvelles de... Je n'ai aucune nouvelle, ni de ma sœur, ni de ma mère. Pourquoi vous embêtez ma grand-mère ? Ça la rend nerveuse. Vous pouvez éteindre cette caméra ? Un autre frère accepte de nous parler. Il affirme lui aussi ne rien savoir. Vous savez où elle peut se trouver aujourd'hui ? Nous, on n'a plus aucun contact, ni avec notre mère, ni avec Anna, ma sœur. Vous êtes inquiet pour Anna, sa maman et sa fille ? On s'inquiète tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va prendre une voiture, partir en Suisse et aller les chercher ?
Malgré son assistance, Vincent n'obtiendra aucune autre information de la famille. Il sort désarmé et envisage le pire. Si c'est réellement, si c'est la réalité qu'ils n'ont aucun contact, eh bien, Clémence est certainement morte. Si, sinon, ils sont complices. Voilà. Mais ils en savent plus. Et j'arrive pas encore à sentir les choses actuellement. Le suspense va encore durer 3 semaines pour Vincent Gervais. Jusqu'à ce jeudi 4 octobre, où la police allemande le contacte. Clémence a été retrouvée, vivante, à proximité de Nuremberg. Elle était bien avec sa maman. Anna Kalinowska a été interpellée en voiture lors d'un contrôle routier grâce à ses plaques d'immatriculation. Dans sa voiture, la grand-mère était là également. Et aussi un de ses frères, qui avait pourtant assuré à Vincent ignorer où elle se trouvait. Le lendemain, à la première heure, Vincent Gervais prend l'avion, direction l'Allemagne. Le papa de Clémence n'est pas encore serein. La petite fille aurait dormi plusieurs nuits dans la voiture de sa maman. Il est inquiet pour son état de santé. Et il craint encore que les retrouvailles n'aient pas lieu. Tant que j'ai pas ramené Clémence à la maison, qu'on n'est pas retourné en France, j'ai toujours un doute, un risque qu'on soit arrêté pour je sais pas quoi, qu'Anna arrive à faire une procédure en urgence, j'en sais rien. Je serai totalement rassuré quand j'aurai Clémence et qu'on sera sur le territoire français. Le rendez-vous a été fixé à 11h à l'aéroport de Nuremberg avec un policier allemand. La petite fille a passé la dernière nuit dans une famille d'accueil. Vincent lui a déjà parlé une fois au téléphone la veille. Bonjour. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, il rappelle le policier qui doit la conduire à lui ce matin. Nuremberg Airport. Celui-ci lui passe la petite Clémence. Elle n'est plus très loin. Oui, mon amour, ça va? Allô? Clémence? Oui, ça va? T'es en chemin? Oui. T'es en voiture? T'es en chemin? Non, on est en train de chercher le ticket pour l'avion. Le ticket pour l'avion? Vous êtes où? Vous êtes dans l'aéroport? Oui. Passe-moi le monsieur. Passe-moi le monsieur. Désolée, tu es devant le McDonald's, mais je te vois pas. Bah nous aussi, alors on se demande si on est au bon. Où ça? Oh, mon amour! Oh. Papa! Oh. Dis donc, elle t'a coupé les cheveux. Hein. Oh, tu m'as manqué. Oh. T'es une drôle de coupe. Ça va? T'es contente de me voir? Ah, oh, moi, je suis super content. Ah, oh. Oh, mon amour. Oh, je t'aurais pas reconnu comme ça. La remise de Clémence à son papa se fait très rapidement. Oh. Le policier qui l'a accompagné ne demande à Vincent ni ses papiers. Bonjour, guten Tag. Ni aucune autre formalité. Voilà. Bonjour. Bon voyage. Merci bien. Tenez, voici ses affaires. Do you want a passport or it's okay? On a eu la meilleure des preuves. Thank you very much. Thank you very much. Oh, mon amour. Quelques heures plus tard, Clémence est de retour chez son papa en France, à Boulogne. Un peu intimidée, elle va retrouver sa maison, sa chambre et ses jouets. Son papa est enfin soulagé. Là, j'y crois, là. On est retourné à la maison. Oui, là, j'y crois, là. Elle retrouve ses habitudes. Non. Là, ça semble vraiment bien fini.
Enfin. Il essaye d'en apprendre un peu plus sur le périple effectué par Clémence avec sa maman et sa grand-mère. Et donc, qu'est-ce que maman elle faisait quand elle était là-bas ? Papa, j'arrive pas à le mettre. Je vais te le mettre. Par petites bribes, ouais, Clémence lui apprend que sa maman ne semblait pas avoir l'intention de la ramener en France. Mais c'est un récit d'enfant un peu contradictoire. Et toi, t'avais envie d'y aller ? Oui. Tu voulais aller en Pologne ? Oui. Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Mais je voulais aussi avant aller voir papa et que tout devienne comme avant. Hey. La maman de Clémence devrait être extradée dans les prochaines semaines pour être présentée à un juge français. Elle risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour enlèvement d'enfants par ascendant. Pour mon petit amour, Clémence. Bon retour à la maison, ton papa qui t'aime. Elle est trop belle. Clémence va retourner à l'école. Son papa a prévu de passer du temps avec sa petite fille avant de reprendre son travail.